Bonsoir. J'ai tenu à m'associer à cette fête, à cette belle fête de Cartadema, parce que depuis 5 ans déjà, nous sommes en train de travailler sur le coton du Mali pour sa valorisation. Vous savez que le Mali est l'un des premiers producteurs de coton en Afrique de l'Ouest. Mais tout ce coton est envoyé en Chine. Et le Mali ne travaille qu'environ 1,7% de son coton. Et pourtant, le Mali est un grand consommateur de basin qui est fait en coton. Mais ce coton, ce n'est pas le coton du Mali. Donc vous voyez qu'il y a un paradoxe. Donc le basin, il est importé d'Allemagne. Et voilà. Et donc nous, notre lutte, c'est d'abord que le basin, s'il est apprécié par les Maliens et surtout par les Maliennes, que ce basin soit fabriqué au Mali avec le coton du Mali. Et c'est une chose qui est possible. Et d'autre part, donc la culture vestimentaire au Mali est tellement importante que les stylistes, les couturiers, en faisant preuve de travail, de générosité, de compétence, peuvent trouver à faire travailler ce coton-là au Mali. Tous les modèles sont possibles dans ce coton-là. Et nous avons, depuis 2009, on a fait peut-être une vingtaine de défilés de mode à Paris, dans la banlieue parisienne. Et au Trocadéro, on a défilé à la Chambre de commerce de Paris, on a défilé à l'Hôtel de Ville de Paris. Et je peux dire que le coton du Mali, il est plus connu à Paris qu'au Mali. Et donc, quand nous avons vu que Cartadema est en train de travailler sur le projet de la valorisation du coton, nous avons dit que c'était une belle initiative. Donc, ce soir, nous avons voulu montrer simplement un échantillon de ce qui peut se faire avec le coton du Mali. Il n'y a pas un mois, un des costumes que vous allez voir ce soir, il était porté par le Premier ministre du Mali, Moussa Mara, mais en noir. Donc nous encourageons Cartadema à continuer dans cette voie et à être un pionnier au Mali pour montrer que le Mali ne se limite pas à Bamako et que les régions aussi ont leur mot à dire dans le développement de ce pays-là. Je vous remercie infiniment. Oh.